Sarah vient chez moi avec Mansour. On passe ensemble, on dîne tout, 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 tout. Sarah. 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 La main qui t'a une fois présentée, on ne l'insulte pas. La mamie dans laquelle on t'a préparé, où tu as mangé, on ne cache pas les dents. Stéphane et moi, c'était fini. Le buzz est en train de mourir. Pourquoi tu viens réveiller un soi-disant interprète? C'est ce que j'ai reproché à Coach Amouchik. Quand vous parlez en parabole, chacun interprète. Et dans les interprétations, on blesse. Moi, je n'interprète pas. Je ne parle pas en parabole. Bleu, c'est bleu. Noir, c'est noir. J'ai dit maman de Stéphane, maman de Stéphane. Et puis, ça ne va pas quelque part. Voilà. Tu oublies vite. Le problème des noirs, ils oublient un peu peut-être vite. Et souvent, quand tu parles du non, parce que tu as fait du bien à quelqu'un, la personne te doit, doit être redevable à vie. Non. On parle de l'ingratitude. L'ingratitude dit, tu as été bon avec quelqu'un. Le jour de ton malheur, la personne t'abandonne. On dit une telle personne est ingrate. Le jour de mon malheur, c'était le jeudi. Je n'ai pas vu une fille qui s'appelle Sarah Misson. Venez me dire, mon papa, Yako, mon papa, le problème là, on n'est qu'à régler. J'aurais voulu avoir cette fille. Parce que quand tu sors d'un deuil, tu as besoin que quelqu'un te parle, que quelqu'un te remonte. Parce qu'elle sait que pendant tous les funérailles de ma femme, tous les obsèques, ce n'est que le jour des funérailles qu'elle est venue. La veille. Parce que je me suis rendu pour lui dire Yako. J'ai perdu ma femme, j'ai une famille Sarah Misson et ses deux petits pieds en vrai big bleu. Sa forme, on dirait lance-pied là. Vous l'avez venu chez moi à la maison. Non, comme c'était le confinement, moi j'étais de l'autre côté, autre, elle est revenue à Abidjan. Est-ce que Sarah a même pensé à dire, je vais aller dire Yako au général? Jamais. Jusqu'à ce que j'apprenne que son mari est décédé le même jour que j'ai fait une vidéo. Je vais vous présenter maintenant la première vidéo que moi et Sarah Misson nous avons fait quand j'ai présenté cette fille au monde entier. Lorsqu'elle était une inconnue. C'est-à-dire, les gens partaient sur la vidéo, c'est 3000, 4000 vues. Elle faisait la vidéo, mais son mari, même, pff, qui s'intéresse à ça? C'est qui? Faut mon dieu, Bangé. Qui s'intéresse à ça? Vous allez voir. Je suis mauvais. Mais voyez-vous-même. Ma mauvaise nous, là. Jusqu'à où ça m'envoie? Je demande à Mathieu de mettre ça en illustration. Les gens vont se rappeler en même temps. La première vidéo de moi, il s'est ramé ça. Faut mettre ça en illustration. Ah mon Dieu, l'homme noir, l'homme noir, l'homme noir. L'homme noir est mauvais. L'homme noir est très mauvais. L'homme noir est très, 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 très mauvais. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est maintenant qu'il a commencé à donner d'autres preuves. C'est maintenant qu'il a commencé à donner d'autres preuves. Et moi, ça ne me choque pas, ces relations hautes. Et donc, si Yao, là, je n'ai jamais rien fait pour elle. Jamais. Une seule fois, je l'ai défendu. Dans son histoire de où les gens attaquaient, et puis dans l'histoire qu'elle a eue au niveau de la France. Je suis dépassé. On va bien l'écouter. Chose qui était totalement fausse, parce qu'elle et moi, on n'a jamais eu d'histoire. Ma soeur du net, même si pendant un certain moment vous avez cru qu'on avait des histoires et tout, chose qui était totalement fausse parce que finalement on n'a jamais eu d'histoire. Pas de. T'as dit, j'ai tellement de souvenirs qui me dépassent. Et donc, si à 5 millions d'abonnés, jusqu'aujourd'hui, je vous parle, Mathieu est éditeur sur sa page. Elle n'a jamais fait cas de problème. Mon général, tu as attaqué ma page, mais tu étais ma page. Papa, je te fais confiance. Parce que ton fond est bon. Je ne lui ai pas donné 5 francs. Oh, ma cousse au père, déjà, je paye. J'ai dit, Bravador, c'est un autre cas. First Max, c'est un autre cas. Mais c'est mes hommes. C'est mes frères qui me connaissent. Si je suis dans malheur, eux peuvent me dire, cet homme-là, je le connais. Ma cousse n'est pas faux. Eux peuvent parler. Sarah peut parler. Eunice peut parler, Buzz de Flora peut parler, Evie Biro peut parler.
Tout ça, ça me sert de leçon. Ce soir-là, j'ai dit beaucoup d'enseignements. Et je vais prendre beaucoup de résolutions. De façon drastique pour ma propre sécurité et pour le bien de ceux qui m'aiment. Parce que ceux qui m'aiment, on en a marre de se voir toujours être ridiculisé par les amis. Voyez ce que vous dites. Voyez ce qu'on va vous passer. Toi, tu suis ma cousine. Voyez ce qu'on dit de lui. Ils en ont marre. Et ceux qui me trahissent sont des gens avec qui j'ai été bien. On me traite de secours. L'agent de secours, je pense que je vous donne vous manger. La petite voiture dans laquelle tu roules, Sarah. Mais après, dis au moins aux autres, là, tes amis, là, dis-leur que là, mais la voiture, là, le monsieur doit dire le mauvais, la voiture, là, son agent est dedans. Oui! Mais ça fait que je fais, là, restreint autant, son agent est dedans, il a donné sa participation. Il n'est pas mauvais. Quand c'est chaud, là, même perruque, là, il paye aussi pour me donner. Il n'est pas mauvais. Sauf qu'il m'a déjà rejeté une fois. Parce que ça ne le dit pas. À un moment donné, vous ne voyez pas ça avec moi. Je l'avais rejeté à cause de son comportement de traîtrise là. Je suis en clash avec quelqu'un. C'est là qu'elle fait les propos qui suivent. C'est bizarre. Débordez-moi en clash. Il me suit, ma salle, je vais frapper ma cousse, casser sa bouche. Mon amour, débordez mon amour haute. Débordez ton amour. Tu viens me dire, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne sais pas à quelle sorcellerie on a fait le jeu, mais on en vient. Venez dire, je ne suis pas, aide-moi à détester. Et c'est parce que je n'ai pas pris parti. Fais de moi une tête, alors je l'accepte. Est une confirmation de trahison et de sorcellerie. Voilà. Comme ils voient que je ne suis pas mort, dans le combat qu'on m'a déclenché, dont j'ai mené la guerre jusqu'au bout. N'oubliez pas, maudit de celui qui est trouvé devant moi. J'ai pris mes dispositions dans la rue. J'ai pris mes dispositions militaires. J'ai pris mes dispositions juridiques. Celui qui m'attaque, par n'importe quel moyen d'attaque, on va riposter de la manière dont il nous aurait attaqué. Tu m'attaques par la rue va répondre. Tu m'attaques juridiquement, mais juridiquement, par là, c'est moi qui attaque. Ce qui me lie à Sarah, mais s'en va au-delà. Je ne suis pas des gens qui aiment se poser. Tout à l'heure, vous montrez les conversations de moi, Vital et autres. Bah, la vidéo serait un peu longue, j'ai mal, parce que je vais accélérer. Ça va au-delà. Je ne suis pas des gens qui aiment se poser, mais quand tu te présentes comme genre, moi, ces trucs-là, je ne suis pas dedans. Moi, je suis vrai. Tu n'es pas vrai, tu es fausse. Parce que tu es baisé, Makoso. Donc tu es fausse. Ça a été. Pour l'instant, je parle dans le conditionnel. Pour respect et par respect de ta famille, de tes abonnés, de ton vivage et pour la mémoire de ton mari, je me tais sur certains points. Mais ne viens pas te jouer les 5000 touches. Tu n'es pas une gamine. Je vois des gens, non, là, elle n'est pas une petite fille. Parce qu'elle dit des choses. C'est pas enfant qui fait ça. Calmez-vous. Je n'ai pas un temps profondeur. Laissez ça. J'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà régné Sarah. Sarah, tu as oublié beaucoup de choses. C'est la mort qui nous lie. Tu as perdu quelqu'un, j'ai perdu quelqu'un. En veuve, dans le veuvage, il y a ce qu'on appelle la solidarité. Je ne t'ai pas demandé de faire parler pour moi. Je ne t'ai pas demandé d'arrêter tes relations avec Stéphane. Vous êtes deux pauvres dont vos vies ne m'intéressent pas. Vous ne pouvez rien apporter à moi, ma vie. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Même si Jésus revient, vous ne pourrez rien apporter à ma vie. Parce que un est communiste, c'est-à-dire c'est des choses bêtes pour faire rire les gens. L'ancien analphabète qui vient crier sur les réseaux sociaux pour qu'on entende et qui raconte de conneries. Poisson, on lui dit que tu es bête, il supprime mes vidéos. Vous m'apportez quoi? Vous deux. Deux comédies. Vous pouvez m'apporter quoi? Sur le plan politique. Sur le plan débat d'idées. Toi, quand tu regardes ta forme, même peut-être même en combat. Quand tu te regardes, toi, tu peux faire combat. Faut apprendre à me respecter. Le jour où tu vas t'amuser à refaire une vidéo pour parler d'une affaire qui me concerne. Je vais te rendre ça.